salut, on est parti. Alors, tout est lancé de mon côté. J'espère que mon sale reflet que j'ai va pas trop me déranger pendant le jeu. Ça serait cool là. Ça charge. Juste une dernière vérif, j'ai oublié de faire. Oh! On va pouvoir faire la nourriture, c'est cool ça. Entre guillemets, ça tombe bien. Oui, bien sûr. Même moment, on nous dit, ouais. La nourriture, mec. Alors. On en est à où? Pom pom pom. Ah ouais, un alu de l'eau. Alu, on était comment? Oh ouais, les zones d'alu, je sais même plus. Bah. C'est pour la nourriture, ça va passer en priorité, puis après on va faire la recherche. Hein. 4, ouais, ça devrait le faire. Bon, on pourra même en faire que 2 au final. Donc on va reposer ce qu'on a plus besoin. Du fer. Du fer, normalement. Fer, hein. Voilà, on en avait récupéré là. Exosquelette T2, tiens, magnifique. Et de l'eau. Alors, de l'eau. C'est combien de glace au pire pour faire de l'eau? On va faire un peu comme ça. Yep, je vais trop loin. Un glace. Et j'ai combien d'eau? Une seule. Les doubles. Bah dis, on récupère pas mal de choses là. J'ai rien demandé, tout apparaît. C'est plutôt cool. Glace, glace, glace 3. Il n'y avait pas un glace 3 dans le secteur déjà. Glace 3. Hop, il m'en faut 2. Comme ça, si j'arrive à me mettre dans les étages, ça serait cool. Histoire qu'on avance au moins un peu. Là, on a la zone de chauffage. Là, on va mettre. En temporaire, bien sûr. Tous les petits vigitubes. Faut que je regarde ce qu'il faut aussi pour l'exo. Hop. Un premier et un deuxième. On va aller voir vite fait dans les exos avant de réapparaître. L'exosquelette 2, un alu, magnésium, titane, silicium. Bah, j'ai bien fait de pas utiliser tout mon alu. Un alu, un titane. On va revenir. D'accord, ça pique même le sol qu'il y avait. Magnésium 2. Et un titane. Alors va falloir partir sur titane 2. Et je pense qu'on va faire un peu de récup parce que là titane 2 il est là-bas. Je crois que c'était un silicium.
Ah non, deux magnésium et un silicium. Pardon. Pop, pom, 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 silicium. Un silicium. Deux magnésium. Et là, je crois qu'on est au complet pour créer l'exosquelette. Comme ça, ce sera fait. Magnifique. Alors. Il nous donne quoi de plus Ah, quand même quelques emplacements supplémentaires. Ça, c'est cool. Le sac à dos T3, je l'ai fait, il me semble. Ouais. Oxygène T3, les bottes, j'ai pas assez de tissu. On va aller chercher du fer. Et on va commencer à faire notre pilotis pour notre base principale. Je crois qu'il faut juste ça, on va regarder. Et après, il faudrait que je pose des foreuses pour la pression. Parce que c'est pas pour dire, mais la pression, elle n'avance pas. Voilà pourquoi j'avais cleané le secteur de là-bas. Voir l'espace qu'il nous faut. Alors... Hop. On va la faire comme ça. Ça va prendre forme. Ah, j'ai plus de fer. Là, c'est du cobalt, de la glace. C'est jamais perdu la preuve pour faire de l'eau. Alors, on parle d'eau, l'hydrométrie et l'eau. De toute façon, je vais attendre un peu d'avoir un peu plus de fruits et de légumes. Du fer, on va pas dire non. Cobalt, on va le garder parce que au final, les panneaux solaires, c'est utile. On va pas non plus avoir que ça hein, à gérer. J'ai dit qu'il me fallait aussi du titane. Si je veux fouiller la deuxième épave qu'on voit, je vais pas avoir le choix de me faire une petite base avancée avec du titane. Ouais, bah oui. Je me crois tellement sur Terre. Le silicium, c'est pareil, c'est une dorée rare. Vu le peu d'oxygène qui me reste, autant mourir en vue. Là, il y a du fer. Allez, c'est parti. En fait, on a perdu du... Oh bah oui, bah si je prends pas ma respiration correctement, c'est sûr que ça devrait moins bien se passer. Alors, pour une fois qu'il y a un jeu où la mort n'est pas punitive, on va en profiter. Hein. Coucou, c'est moi, je suis où? Là. Alors. On était à où dans l'inventaire? C'est l'occasion de voir. Ah oui, on était presque plein. Avertissement hydrométrie. Non, sans blague. Silicium, inventaire plein. Ah ouais, on sait pas où en fait. Foreuse T3. On aura même pas mis de la T2 pour les foreuses.
ce que je vais pouvoir faire, c'est remplacer les forêts tout de suite par du détroit. On va se mettre à l'intérieur, voir, enfin ranger et voir ce qu'il faut avant de faire une nouvelle épave. Alors, faire. Là, c'est plein. Je suis bête, en plus, j'ai récupéré peu de temps avant. Et c'est cool ça, il y a pas mal de fer. Hein. Ouais, avertissement, je le sais. Magnésium. Titane. On avait pris un là-bas. Glace magnésium. On en a un. De la glace. Glace 3. On en avait récupéré un peu. Le silicium 2. Bon. Comment ça se remplit? Cobalt. C'est vrai que je récupère très peu de cobalt dans l'affaire. Avant de mourir. Faire faire alu. Oh, pff, mais il demande trop d'alu en fait. L'alu. Comment on va faire pour l'alu? Parce que là j'ai des balises. J'ai ça. Les lits pour l'instant on s'en fiche. Ouais. La question est. Alors, dans le panneau. Oh! Au bout de combien de temps on change les coffres? Établi avancé. Dans le coffre, ça c'est intéressant. Le sac c'est un T5. Ouais, bah le T4 doit être pas si loin que ça. En pression. Ah ouais, je suis passé à côté de pas mal de choses sur la pression là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis perdu là. Barre de super alliage. Autocrafter. Incubateur. À croire qu'on va faire pousser des animaux. Ouais. Pom 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 pom. Ce que je vais faire, ça va être monter. C'est combien d'alu? 2, je crois. Ouais, c'est 2. Il m'en reste combien? 2. Et bah allez, après on va chasser un peu dans le deuxième vaisseau dans ce cas-là. Donc 2 alu. 2 titane. Titane en armée là-bas. 2 titane et 2 fer. Allez, c'est parti. Comme ça, lui, on pourra le démonter. Alors, hop. On le pose comme ça, c'est fait. Et là, normalement, ça devrait prendre de l'ampleur. Pas de chute énergétique, c'est cool. Faire titane, ça nous prépare à l'expédition. Pour l'expédition, ça peut être bien que je refasse de l'eau. On va refaire 4 eaux. Hein. Temps d'explorer le magnifique vaisseau au bout. On va en garder 2. On va reprendre du cobalt pour faire de l'oxygène. Ouais, c'est vrai que j'avais crafté un sac inutile dans la ferme. Ça. Ok. Ah yes, ça s'est débloqué, les armoires. On fera les armoires après l'exploration, mais par contre, dans la casse-bas, la future casse-bas, on a 6 titium et plus de fer, 3 fer. Titane, il m'en faut 2, 1 silicium. Et le fer, bah on va tout prendre.
Je pense qu'on en aura assez. S'il faut, on en piochera vite fait, mais... Un peu consommer, consommer... C'est parti, on va aller là-haut. On va s'occuper de l'autre côté. Après, si je croise du fer, autant le récupérer. Enfin, je dis ça, mais je ne sais même pas le temps qu'il faut. Oh, le sol qui fait. Ça va me donner des idées. Et c'est incroyable à quel point ça monte, en fait, des fois, juste avec trop fort rien. Lecteur de messages. Ouais, c'est cool. Pour l'instant, je suis pas à lire les messages. Une chose à la fois. Oh, le métal qui traîne par là. Je suis assez loin ou pas? Non. Ouais, on a notre capsule là-bas. On est vraiment apparu en fait à côté. Topito. Le sac à dos, il est plein déjà. Oh ouais, le détour. Oh, un coffre. L'avantage d'être passé en T3 en fait, au niveau de l'oxygène, c'est qu'on en a assez pour y aller. Mais j'ai l'impression que les bottes d'agilité, ça aide. Hein. Le joli réacteur. On va poser ça là. Je pense que ça ira très bien. Alors, ça va qu'on court pas après le temps comme l'autre fois. Ok, je peux pas le faire pivoter plus que ça, c'est pas grave. Hop. Alors, notre premier grand coffre, je pense qu'on va le laisser là. Sinon, on va être doucement embêté. Et pour qu'il y ait une boîte, c'est qu'il y a une raison. Donc autant se laisser une zone de, entre guillemets, libre-échange. Tac, tac, tac. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. On va aller chercher le coffre qu'on a vu en contrebas. Ah, ça va être un point de farm, ça aussi. Je le sens bien. Ah ouais, faut penser à prendre les coffres quand même. Hein. C'est bête de la prendre à ses dépens. Hein. Parce que pour l'oxygène, ça aide. Oh, une puce. Alors. Limite, le fer, on peut le récupérer. Vu que j'ai un peu de marge. Titane, fer. Ouah, j'ai bugué. Ah non, pas une pile météorite maintenant. Je suis pas à la base. C'est pas grave, on aura de l'autre. Ouais, c'est assez régulier. Hein. Même si je sais qu'il y a de l'aluminium dedans, je lui cours pas après. Là, il y a du fer. Ça y est, du fer partout, c'est trop bien ça. Faut pas trop que je charge parce qu'après. J'avais cru qu'il y avait une météorite qui m'était tombée dessus, sérieux. Par contre, c'est pas pour dire, mais ça commence à prendre une teinte bleue.
d'or, ouais, on prend le fer, ouais. Je pense qu'il y a assez de coffres. Hein. On va tout stocker là, voilà. On va dû faire en rap, et bah c'est parti. On va juste prendre une bouteille d'oxygène et à manger. Au cas où. Et une bouteille d'oxygène. Et c'est parti. Un kit d'exploration. Youhou! Lumière, merci. Oh, c'est sombre. Là, il y aura. Là, il y a des choses à récupérer. Là. À tous les coups, j'ai vu qu'il y avait un coffre, on regarde avant. Même un chauffage à récupérer. Alors, on a quoi? Oh, ouais, des graines aussi. Mais il va vraiment falloir que je trouve de l'alu. Hein. Une petite pépuce. Hop. Là, il n'y a rien de plus. Pas de coffre caché, non. Il y a certains développeurs, je sais que sur certains jeux, ils s'amusent à bien planquer les choses. Mais j'ai vu du bleu. Calme-toi, c'est des draps que tu peux pas démonter. Ah zut alors. Trop. Il est immense le vaisseau. Petit demi-tour, faire un dépôt de tout ce qu'on a. Parce que dès qu'on voit l'oxygène qui descend, même si j'ai une bouteille, si je peux éviter d'utiliser, ça se passe. Alors, graine d'aluminium, ouais. Alors, j'ai même récupéré de l'alu, j'avais pas fait attention, c'est une bonne nouvelle ça. Combien? 150? Ouais. Et ça, ça fait combien? Y'a pas. Ok. Oh, c'est une plante, quoi. Salut à ceux qui sont arrivés! N'hésitez pas à mettre un petit message, montrer que vous êtes là. Hein. Promis, je viens de manger, donc je vais pas vous dévorer. On va aller plus par là, je pense déjà pour commencer. Débrider la technologie, ok. Oh, il y a du coffre. Je suis pas sûr d'être passé du bon côté, mais ouais, vas-y, on y va. Oh, du tissu, on va pouvoir augmenter nos bottes d'agilité. C'est bon ça, deux tissus. De l'uranium. Oh là là. Il n'y a pas un quatrième. Il faut déjà que je revienne à la... au début. C'est dingue. Oh, j'adore. Alors, on était passé par là. Ça, on l'a fait. Je passe pas au dépôt par manque d'oxygène. Je passe au dépôt parce que je suis plein. Ah non, pas la bouteille d'eau. Attends. Hop, faudra juste faire attention à la fin de. Bof, hop. C'est bon, il est remplacé. Attends, on en aura récupéré des choses. Ouah, c'est vachement sombre par contre là. Allez, on est reparti. On était parti sur la gauche. Là, 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 démantelé. On démonte. Allez, vas-y. On démonte aussi. On a gagné un chauffage T2. On va le démanteler aussi. Démonter.
augmente les koalas. Il devait y avoir une barre invisible. Ah, des caisses. Oh ouais, des puces, des graines, tout ce qu'il nous faut. Hop, hop, bah déjà c'est plein. Oh, y a des choses à récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrir. On va pas l'ouvrir tout de suite. Vu qu'on est plein. On va déjà partir. Un peu plus loin. Hop. C'est parti. Ça c'est plein. Là. Ensuite, tout ça là. Et encore. Je vais être bon pour rajouter une armoire à tous les coups. Alors, attendez, j'ai un petit message. Ouais. Alors, rien de dramatique. Hop. Alors, l'avantage. Je suis de retour. Là, il va falloir passer. Non, mais la bouteille là qui traîne. Désolé pour l'écho. J'aurais pu la consommer sur place. Erreur de touche. Allez, c'est parti. Deuxième tour, on verra peut-être un peu plus clair. Je l'espère. Là-bas. Ce coffre-là, il nous en restait un petit peu. Attends, le coffre qui va nous avoir mis bien. Ouais, de l'alu, encore du tissu. Vaisseau cargo. Journal de bord. Ce matin, alors que nous y étions. Notre 17e jour de voyage spatial vers Stingmarn, le vaisseau inexpliquément subit une perte de puissance qui nous fait coûter l'hyperespace. Les instruments de navigation sont affolés, le vaisseau a perdu toute puissance, comme s'il était drainé par quelque chose à l'extérieur. Nous avons essayé d'effectuer un atterrissage d'urgence sur cette planète non répertorié. Je ne sais pas ce que nous allons y trouver. Il semble y avoir énormément de tempêtes à la surface. J'espère que l'on va s'en sortir. Année 3021. Eh bah, je pense pas qu'ils ont trouvé grand chose, hein, vu que la planète pas non plus en très très bon état. Hein. Ce coup-ci va fou. Contenant. Ok. Donc on peut mettre quelque chose dedans. D'accord. Voilà à quoi sert la bouteille d'oxygène. On peut mettre quelque chose dedans. Un contenant. Comme une source d'énergie, ouais. Mais quoi comme énergie? Oh bah j'étais passé à côté de deux coffres. Je suis parti où là? Ah là, ok. Oh ouais, du tissu, mais je vais être bien, va falloir que je crains. Et là on a quoi? Ouais.
Bon, on va déjà vider nos poches. Oh, les allers-retours que je vais devoir faire. C'est pour la bonne cause, hein. Alors. Hop, ça c'est complet, ça c'est complet, ça c'est pas complet. Oh, tout ce que je vais ramener. C'est bien. Ah, j'ai même fait un coffre de trop. Là, je vais pouvoir avancer. C'est cool. Hop. L'uranium, je sais pas encore à quoi ça va nous servir, mais vu que ça dégage quand même pas mal d'énergie chez nous, est-ce que c'est les mêmes règles là-dessus? Y'a rien là. Rien à démonter. Démonter quoi encore? Il y a des choses que je démonte mais qui n'apparaissent pas. Bon, après ça me fait toujours du fer supplémentaire. Hein. Voilà, là il va y avoir pas mal de choses de monter. Hein. Alors, on va faire détourner. Alors, ça c'est bon, vas-y, on est parti. Alors, on a quoi par là? Est-ce que ce serait pas un deuxième chemin? Par contre, faut voir aussi tout ce qu'il y a en silicium de ce côté-là. Ouais, oh, j'ai trouvé un raccourci. C'est bien ça. Vraiment une petite vallée, désolé. Hein. Il y a une arche là-bas. Putain, le ciel il devient de plus en plus bleu, c'est agréable. Ça c'est cool là. Alors, faut ranger les éléments. Le fer qui nous servira de façon à faire des armoires, plantes, boissons, graines, aluminium, ça tombe bien, c'était la pénurie. Unium machin, c'est pareil. Donc on a dit les graines là, non pas la nourriture. On va mettre les plantes aussi. La nourriture, on va la garder. On va garder un eau. Enfin, une eau, excusez-moi. Silicium, c'est là. Ah bah, il est plein, silicium. Magnésium, glace. Ah non? Non? J'ai pas d'autre stockage? Bon. Et eh bah, ben, il va être le premier à se métamorphoser, le silicium. Oh, Végétube niveau 3. On va pas dire non. Alors, hop. Le réagencement inattendu. Silicium.
Hop. Alors, on va ranger tout le silicium. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, j'avais encore une nourriture en rab. Hein. Oh ouais, les grandes armoires, c'est la vie. Hop, la puce. Non, on va faire une session de décodage de puce après. Allez, c'est parti, on y retourne. Topito, pito. Ça m'a pas l'air d'être trop pentu, mais si ça peut me faire gagner du temps pour tout récupérer, moi je dis pas non. Ah, ça a été rentable cette visite. Mais par contre, je me demande à quoi sert le conteneur. Parce que c'est le seul truc où il n'y avait rien dedans. Hein. Est-ce que... au bout de notre peine de marche ou crève... nous servira à nous échapper d'ici. Du moins s'il y a un espoir. Ah ouais, mais tout ce que j'ai récupéré, va falloir que je fasse un gros coffre arrivé à la base en fait. Hop, c'est reparti. On a toujours des tempêtes de sable. Hein. Ça, on pourra pas l'amener. Ça va qu'on est en combinaison quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a de l'eau qu'on peut stacker. Limite la nourriture. Les plantes, je les mets là en attendant de tout récupérer pour pouvoir faire un gros coffre ici en mode de bazar. Ça peut être une solution. Hop. Puis après va vraiment falloir que je m'attaque à ma nouvelle base. Hein. Le tissu, on a dit qu'on mettait ça là, les graines aussi, l'uranium aussi, les puces. Puis après il y aura du plantage d'oxygène à faire. Hein. Du plantage d'oxygène, oui tout à fait. Des plants d'oxygène à faire. Fabriquer un écran de progression. Ouais, bah on verra ça tout à l'heure. Là, on a encore l'uranium, du titane. Du fer. Je vais supprimer le fer 1. Ouais, je vais faire ça comme ça. Parce que le problème c'est que j'ai récupéré tellement de fer que ça a un coup à me faire avoir. Oui, j'ai pas envie de mourir ce coup-ci. Hop. Hop. Ah, ils sont un tout petit peu plus larges. Hop, fer. Ça c'est fait. Le titane, c'est pareil, on va le modifier comme ça sera fait vu
qu'on en a aussi une flopée qui arrive. Hop. De toute façon, on va plus avoir le choix. Magnésium. On va le faire aussi. Comme ça, je sais que je dois reprendre les tout premiers coffres pour combler. Ça pourrait être pas mal, mon affaire. Magnésium. Hop. Donc le fer qui est là. On va le mettre là-dedans. Là, j'aurais pu engranger encore plus de fer en fait. Fer 1, fer 3. Comme ça, on a gagné un peu d'espace et un peu de répit pour le faire. Titane, il y a Titane 3 qui est là. On va prendre Titane 2 aussi pour le combler. Comme ça, ça nous fait des emplacements. Magnésium, magnésium, magnésium 3. Si je dis pas de bêtises, il n'y a rien. Magnésium 2, il est là. Ça peut nous libérer un peu d'espace. Ou soit je m'attaque à faire la nouvelle base maintenant. Cobalt, alu, titane, fer. Et on va aller refaire un tour pour récupérer ce qu'il nous reste. Qui est parti très très loin. Ça, on peut cavaler, on va aller chercher le nécessaire, surtout toutes ces découvertes hein. Parce que là ça serait vraiment pas mal. Ouais, le ciel il devient bleu. Je peux peut-être couper la lumière hein. Puis ouais, l'aluminium faut que j'arrive à en trouver hein. En dehors des vaisseaux, je pense qu'il y a un autre spot. Hein. Hop, hein, tout ça par ici. Peut-être qu'il faut que j'améliore un point aussi encore là-bas. Eh, il y a des plateformes là-haut. En fait, plus le ciel devient clair, plus on arrive à voir au loin. Hein. C'est cool ça. Allez. Comment je vais faire la base? Je suis encore en train d'y réfléchir, hein, parce que bon, pour l'instant, on a surtout à déposer ça dans des petits cubes à la va-vite. Salut Lilian, ça va et toi? Que j'ai récupéré. Bah si c'est nickel, si ça va bien, c'est ce qu'il faut. Nourriture c'est là. Plante. Ouais, j'ai fait le vaisseau d'en haut qu'on aperçoit dès le début du jeu. J'ai dit vas-y, il faut avancer.
Ouais, pas vraiment, je préfère être en privé parce que des fois faut que je m'absente aussi avec ma fille, malheureusement. Après, j'ai pas vraiment de coop de prévu pour le moment. C'est pas ma priorité vu que là je suis en vacances avec le boulot que je fais, c'est principalement des horaires un peu compliqués aussi, donc arriver à se caler des heures comme ça en dehors des vacances, c'est un peu plus compliqué. Pas contre toi en particulier, hein. C'est pouvoir s'organiser, hein. Titane Cobalt, c'est là. C'est parti. Et même après, je pense que je vais recontinuer, on va dire, les vacances. On fait quand même le plus grand bien de retourner un peu sur tout ce qui est jeu, hein, chose que j'avais lâché un petit moment. Pour ça, je t'invite à aller sur YouTube. J'ai une page, tu la trouveras dans les commentaires. Enfin, les appréciations de la chaîne. Ouais, appréciations, non, dans le déroulé de la chaîne, je crois. Je sais même plus comment s'organiser. C'est au cas où, si t'as loupé un petit live, tu peux récupérer, si tu le souhaites, des petites infos. J'ai monté celle-là, mais il y en avait une autre là. Magnésium, titane, un de cobalt. On va consommer un peu de choses. Ouais, fini la période. Vas-y, je meurs. Là, j'ai débloqué quand même tout ce qui est végétube aussi. Et des récoltes aussi. Donc je finis les transferts et puis on va faire en sorte d'avoir quelques récoltes aussi avec les graines. Et par contre la question est, faut que je regarde, est-ce qu'on récupère les graines après ou pas du tout? Parce qu'au moment où je vais me déplacer, ça va être crucial. Oh la vache. Les météorites m'apportent de l'aluminium. C'est comme si je l'avais pris deux fois. Ouais. Merci les météorites. Il y a une grosse pluie. Hop, aluminium, fer. Toujours prendre le fer, silicium.
Salut. Ce tour là ça va être exclusivement de la météorite quoi. C'est bon à savoir que là il y a une belle chute de météorite, on va dégager tout ça. C'était pas prévu au programme mais c'est pas grave, un enterre-plein. Comme ça la prochaine chute on saura où aller. Ah ouais, ce ciel bleu quand même. Ah après on s'approche de l'objectif des... Quoique... Ah non, on est au niveau que d'été. Enfin des cas et non d'été. Ça avance petit à petit. Titane. Ça tombe bien, je peux pas plus en mettre. On va retourner là-bas. Ça va libérer, mais... Alu. On va avoir refait le plein d'aluminium, c'est cool. Magnésium. Silicium. Ça, c'est cool aussi. J'avais dit, on va faire l'affaire 2. Ah, la passer en armoire parce que là ça devient crucial. Hop. Faire 2. Le cobalt, on va pouvoir le faire aussi. Cobalt. Hop. Allez, vas-y, c'est parti. Silicium. Silicium. Hop. Comme ça, on a de la marge. La glace est pareil, on peut le faire. Faire aussi le faire 3 parce que là plus ça va, plus ça dépote hein. Donc là c'est glace. Ah, je crois que je vais devoir revenir assez rapidement. Hop, le faire 3. Comme ça on a un objectif. Si on peut remplir tout ça, si on arrive à atteindre le fer 3, on a le stock. Aluminium, glace, cobalt, aluminium, on va pouvoir l'agrandir aussi. Parce que plus ça va, plus on nous demande de l'alu. Hein. Je vais terminer déjà ça. Et je reviens très vite. Yum. Hop. Et je reviens vite. On va faire une petite sauvegarde en même temps. Thank you.
Me revoilà. Alors, excusez-moi, c'était imprévu. Non, c'est pas de l'ASMR, hein, c'est un jeu. Titan 2. On va tout passer, ouais. Avant d'aller chercher la suite, parce que là, on va s'ennuyer rapidement, je pense. Titan 2, hop. Cobalt, on s'en fiche. On va prendre l'iridium. Nouvel établi avancé. Iridium ou iridium? Iridium. Idium. Hop. Non, c'est Uri. Iri. Oh, l'erreur depuis le début, toi. Hop, on prend le tout. Ah, c'est qu'il y en avait un autre là. J'ai mon casque qui me fait du morse. Aranium. Hop, comme ça on pourra le stocker là. Le cobalt, c'est cobalt de celui-là. Après, je vais chercher le reste. Même cobalt espace 2, mais je sens bien qu'on va avoir une mission de recherche de fer intensif. Glace 2. Laisser presque vide. Parce qu'on a le temps d'aller chercher tout ça. Il faut courir. J'aurais dû faire les bottes de niveau 2 en fait. Ça aurait été aussi bien. Parce que j'ai remarqué qu'on gagnait en vitesse. Oh ouais, le ciel il devient de plus en plus bleu là, c'est agréable. Il y a du fer encore. C'est vrai qu'avec le temps, les couleurs aussi des éléments, ils changent un peu. C'est sympa dans ce jeu-là. Ah, l'hydrométrie, bêtise. Oh, c'est pas l'oxygène non plus. Hein. Entre les bottes qui améliorent quand même la rapidité, j'ai l'impression. On a tout ce qu'il faut là, s'il faut se casser une croûte. Hop, là y a rien, y a plus rien, y a plus rien.
et il n'y a plus rien. Limite. On peut récupérer ça au passage. Parce que c'est vrai, c'est ce qui me manque généralement. Le sac est plein. C'est une tempête? Non, c'est pas une tempête. On va pas continuer. Ça avance bien. Je pense ce que je peux faire après. Hop. On a dit ça là. Ça aussi ici. L'uranium, on peut le récupérer. Il a un coffre, rien qu'à lui. Hop, et l'oxygène, j'ai vu qu'il restait un uranium. Silicium. Commence à être bien en silicium. Biodôme. Je pense que je débloque pas mal de choses. Là, il va vraiment falloir que je fasse ma base principale. Quitte à la rajoncer petit à petit. Hein. Oh, j'ai de quoi faire du chauffage aussi. Faire deux, faire deux, faire deux. Faire de lance. Alors. On avait. Ah ouais, le super alliage, j'en ai pas assez. J'en ai récupéré qu'un. C'est pas grave, on va aller décoder les puces. Comme prévu. Hein. Il faut que j'aille voir aussi vite fait là-haut. Ce que ça donne pour la nourriture. On avait mis les tubes là. Les graines sont bloquées. La graine de courge spatiale intégrée dans le... est en croissance. Croissance 100%. Ah, ramasser. D'accord. Et là, on peut les récupérer dès qu'ils sont ramassés. Ah, c'est bon à savoir ça. Je pense que pendant mes travaux, je mourrai de faim, mais tant pis, c'est pour la bonne cause. Alors... On va débloquer les puces qu'on a. La première, extraction T2. Intéressant. Boussole, ok. Oh, biodôme en angle. Alors attends. T1, la T2. Après, il faut du super alliage après, hein. Vitesse d'extraction T3. Ouais, bah allez, on va manger notre super alliage. Durement acquis. Puis après, on va s'occuper des travaux de. Et un silicium. Non, il n'y avait pas besoin de silicium, je crois. C'était un super alliage et du silicium. Pourquoi j'ai pris, j'ai confondu. Et un silicium. Alors, hop. Voilà, l'extraction de T3. Ce que je vais faire, on va faire 3. Là, il y en a 3. On va commencer à faire la base. Tac, 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 tac. Déjà. On va continuer. Est-ce que je me fais une grande plateforme?
Ouais. Soit je pars sur les 3 par 3. Ouais, je peux faire ça aussi, une 3 par 3. Ou soit je me fais une salamence. Ouais, on va partir ça. Une salamence pour pouvoir poser. Au niveau ressources en bas. On va faire à chaque fois ça part vite. Voilà pourquoi le faire ça part vite aussi. Là j'ai fait une bonne excursion, mais mon dieu. On me retrouvait à poil. Titane fer. Fer 2, fer 3, y'a plus rien. Comme ça de ce côté-ci, ouais, ça pourrait être bien, ça pourrait être une idée, parce que là on a 1 2 3 4. Ouais, si, on va faire ça comme ça. Tiens, autant avancer un peu. Ah mince, j'ai oublié. Non, c'est pas le titane qu'il me fallait, c'était là. Voilà, fondation. Hop, allez, ça avance. Un escalier, il faut juste du fer. Ah, on peut pas le mettre entre. Hein. Donc là, faut que j'aille chercher du titane. Parce que si j'arrive déjà à transvaser tout ce qui est coffre sur l'autre, c'est déjà pas mal. Comme ça, on pourra venir à déplacer tout ça au fur et à mesure. La bonne idée. Du titane. Ouais, sachant que c'est deux fers à chaque fois, je vais manquer de fer à une de ces vitesses. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est avancer aussi. Hop, attends, on va prendre un silicium comme ça. Non, bêtise. Comme ça, on a de quoi faire une porte. De toute façon, l'avantage, c'est que le plus gros des coffres, ils sont déjà faits. Ça, c'est un avantage quand même. Et je suis en manque de titane. Par contre, j'ai une question. Ah oui, titane et un cobalt. Parce que limite, je vais sauter là. Les deux points. Ouais, je ferai bien ça. Tiens, on va faire des petits vitrées aussi. Faut que je réfléchisse à la chose là.
soit sympa à voir. Parce que du cobalt, j'en ai à... Il y a une tempête de sable là-bas. J'en ai plein. Du titane. Ah oui, en effet. Je serais pour aller bien loin. Ouais, ça va m'épuiser tout mon fer. Et quelques cobalt. Comme ça, on peut faire deux coins. Là et là. Ouais. Je vais y mettre avertissement nourriture. Ouais, c'est cool. C'est clairement pas ma priorité. Hop. Hop. Là. C'est pas celui-là, mais c'est celui-là qu'on va démoniser en angle. Hop. Pourquoi tu veux pas? Il y a quelque chose. Si, j'ai les composants. Ah ok, c'est qu'il avait bugué. Ce que je vais faire... Ah, c'est commencer par là parce que... Arrivé à un moment, il faut bien de l'oxygène. Il manque du titane. Il n'y a pas du titane sauvage qui traîne. Là j'ai du fer sauvage. Titane. Il m'en manquerait un titane encore. Ça c'est du fer. Et un autre titane là. Voilà. Limite je peux mettre mes deux parties en angle. Niveau d'hydrométrie critique, ouais bah pour l'instant c'est clairement pas ma priorité. Et on est à nouveau sur un bug. Oh la vache, comment ça base? Réacteur nucléaire. Et attends, Gilbert, j'ai pas pu s'avancer, tu me dis déjà que je suis au réacteur nucléaire? C'est énorme. Putain, j'étais sur une mine de titane en fait. C'est cool ça.
Parce que limite, j'aimerais bien essayer de faire une avancée. En mode petit sas. Le truc, c'est que je peux pas placer l'escalier où je veux, donc. Je fasse une avancée de 1 sur 1. Ouais, ou je laisse comme ça. Ouais, non, je veux mon avancée. Je veux mon avancée, donc je fais comme ça. Au final, c'est moi qui m'y étais mal pris. Une autre unité. Allez, il manque un fer. Bonjour, je suis à la recherche d'un fer avant de décéder, s'il vous plaît. Là. Et un coffre pas loin en plus. C'est la nourriture qui va m'amener. Hein. Ouais, je suis pile poil en face, mais. Là déjà. Pour faire du stockage, ça va être nickel. Hein. Bon bah, tout ce qui est stockage. Pouvoir peut-être aluminium. Ah ouais, établi avancé, ouais, je vais pouvoir le mettre. Je vais aller chercher ce que j'ai en stock. Mais je sais, tu vas mourir. Voilà, c'est dans un boulot déjà. Avant que la fin nous gagne. Je rapatrie mes coffres déjà pour les mettre là. Bah, écoute, deux titanes qui me restent. Ouais, bah allez hop, on va aller chercher les coffres. Oh, on voit de plus en plus clair, c'est cool. Ça pue cette pression permanente. Belle petite base. Monte à la va-vite. Alors. Le fer. Hop. Le titane. On va essayer d'embarquer ce qu'on peut. Ça rajoute quand même de la splendeur les angles, moi je trouve. Alors. L'objectif était de. Mettre des armoires. Thank you.
la glace. Silicium. Hop. Ok. Donc déjà, j'ai de quoi transporter et recréer des armoires. Parce que le fait de faire des renfoncements, je peux peut-être tricher en mettant d'autres. Oh non, merde, ça dans la tombe. Voilà. Comme ça. Donc, le titane, on peut tout embarquer. Le magnésium, le cobalt, il va être utilisé rapidement. Donc, hop. Du fer aussi pour les hulots. Bah c'est pas grave, on va piquer celui-là. Autant être bien. Ce que je voulais faire, c'est mettre des hulots de ce côté-là. Voilà. Sur le métal que j'avais. Hein. Attends, on voit de mieux en mieux, on dirait pas un vaisseau. Hein. Si, en fait. Va falloir que je fasse une chasse au super alliage aussi. Hop, le titane qui est là, on récupère. Le cobalt, on récupère. On peut démanteler. J'ai mis quoi la glace, je crois. C'est ça. La glace. On récupère. On fait un tour. Parce que là, c'est du transport pur et dur. Si, il y a même une arche là-bas. Ce monde ne nous a pas tout livré. Ouais, ça rend sympa en vitré comme ça. Moi, j'aime bien. Comme ça, on fera un étage. Tout ce qui est. Végétube, nourricier, ouais, nourriture, ça commence à manquer, mais c'est pas grave, le fer, on va le mettre là, la glace et silicium, comme ça, dès que j'ai fini de transporter ça, on va utiliser le fer que j'ai pu rapatrier, pour refaire des armoires. Là c'était vraiment monter à la va-vite hein, ce que j'ai fait. Hein. Parce que là à la limite j'ai fait un fond, je vais pouvoir faire peut-être un U. Peut-être que je vais gagner de la place. Tac 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 tac. Le fer on en a là-dedans, non. Hop. Le fer, on en a plus là-dedans aussi.
Si, si, un mot. Et je vais pas pouvoir tout transporter, mais c'est pas grave. Ouais, si je fais un grue, bon, certes, ça fera pas beau, mais ça permettra peut-être d'arriver du fond pour tout déposer. Ouais. Ça peut être une solution. Le faire. Pour l'instant, on dépose ça là. La glace. On a dit que c'était bon. Le silicium. Bon, on va repartir comme ça. Tac, tac, tac. Là, des coffres là, des coffres de l'autre côté. Et des coffres des deux côtés là. Ouais, ça devrait être pas mal. Ça devrait être une bonne idée. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 armoires encore. Ouais, bah écoute, je vais pouvoir faire que des armoires. Donc là, je vais essayer d'en caler une là avant de mourir. Après, si toi pas, tant pis, puis on va faire ça en deuxième tour. Hop. Alors, on va récupérer quand même tout le métal. Hop, une armoire là. Une autre là, on change le sens. Hop. Hop. Et j'ai plus de fer, donc là on a le magnésium. Aluminium. Lium. Hop, on meurt de quoi de soif ce coup-ci? Super alliage, faut bien qu'il y ait son armoire. Alliage, hop, on a quoi d'autre? On a l'iridium. Comme ça, j'ai de quoi récupérer aussi. On va avancer quand même, hein. Ça a pas l'air. Hein. Ça avance, avance. C'est ce qu'il faut voir. Donc, silicium. Hop. On va démolir. Magnésium. On va faire une tournée. Ouais, parce que là, la partie vitrée en cobalt, ça rend pas mal. Hein. Moi, j'aime bien. Je compte faire un étage qui va partir plus par là, je pense. Alors, cobalt, fer, magnésium. On a du magnésium. Hop. On n'a pas d'aluminium, on a du sporage, ni uranium. Silicium. Hop. Alors, ensuite, on peut refaire une armoire. Voilà. Uranium. Qu'est-ce qu'on peut appeler ça? Aluminium. Silicium. Uranium. Je suis sûr qu'on est passé à côté d'un qui pourrait être utile avant, mais c'est pas grave. De toute façon, faut bien déménager tout ça.
Est-ce que je laisserai pas des coffres au niveau de l'entrée en mode réception va vite? Ou une armoire, mais soit deux coffres. Magnésium, on va prendre le reste de magnésium. Voilà. Hop. Là, il y a du magnésium. Bon. On peut. La soupe. Titane. Oh. Inventaire plein. Ok. On va se dépêcher avant que ça dépop. Ça peut être mieux. Topito, pito, pito. Le fer. On va en garder un au cas où s'il faut faire un magnésium 2. Magnésium là. Hop, un de fer, deux de fer. Alors on a un fer à récupérer là-bas aussi, hein, avant qu'il dépop, ce serait cool. La nourriture, je la mettrais bien en haut. Dans le prochain étage. Y a rien, magnésium là, y a rien. Super alliage, t'as plus rien. Ouais, aluminium, t'as plus rien. L'uranium, y en a. Toi aussi. Hop, hop, hop. On va dire, il y a vraiment le nécessaire qui va apparaître là-bas. Hein. Ouais, j'aurais pu combler mon tour, mais j'ai oublié. Et je me suis précipité bêtement là. Hop, alors. Alu, non, spariage, iridium. Hop, uranium. Iridium 2. Parce qu'on a une armoire complète. Iridium. Hop, 2. On va mettre fer 2. Tissu. Parce que j'ai vu qu'on en avait beaucoup aussi. Puis je sais pas quelle gravité on aura pour le tissu. Aussi par la suite. Ouais, bah pourquoi mon verre d'eau? Au moins j'étais à vide. On est reparti. Ah bah non, il me restait quelque chose. Waouh, un fer. Je serais allé loin. Allez, vas-y, runner. Iridium, là on va avoir deux tours d'iridium, c'est même sûr. Voilà. À la limite, ça m'arrange de mourir de faim un peu plus loin. Comme ça, je peux prévoir un autre tour un peu plus rapide. Même si c'est pas la totalité qui sera. Iridium.
On a même pas de quoi finir. Abusé. Et après, va falloir. Pour cette session là, je pense que ce sera déjà pas mal. Iridium là. Hop. Voilà, on va déposer le fer. Parce que sinon, il va nous enquiquiner. Hop, lui, il était à portée de pied. Voilà, hop, Iridium 2, c'est là. Tac. Le déplacement de tout ça. Salut à ceux qui sont arrivés. N'hésitez pas à communiquer. Hein. On mange pas sur le live. Sur pas le live, mais le chat. Là, on est en plein transport pour le changement de base. Mais par contre, j'ai vu qu'il me fallait à tout prix et rapidement du super alliage. Ça va attendre la fin du déplacement, hein, mais ça va être à prévoir. Tac, ça c'est plein. Ouais, c'est vraiment les bases montées à la vite au début, et qui se transforment en bases un peu plus évoluées. Mais par contre, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a une hauteur maximum? Parce que si on en a une... je vais être embêté rapidement. Iridium, uranium, iridium, j'en ai deux. Je pense que je vais m'y perdre tôt ou tard. Le fer, j'ai de quoi faire une armoire. Je vais le renommer en silicium classique et l'autre je vais le renommer en deux. Sinon je vais y perdre. Vaut mieux avoir un accès rapide comme ça. Hop. Et là. Silicium 2. Voilà. C'est comme lui, on va le mettre en glace 2. De bien avancer. Tac. Ouais, je pense que bah. Ah, mais là, je vais avoir un problème technique, je suis en train d'y penser. Ou je laisserai juste ce couloir pour y accéder à l'étage. Pour le moment. Et après, faut que je fasse plein de ressources. Ça va être une chose à faire. Et assez urgente aussi. Hop. Parce que le fait de passer, on va dire, allez, aux grandes armoires, ça aide quand même. Hein. Hop. Glace. On va déjà remplir le glace 2. Voilà. Il était presque complet, mais c'est pas grave. Au moins, on sait qu'on en a en stock. Dire qu'au début, on courait après le silicium.
Parce qu'après tout ce qui est gros craft, je pensais mettre les... Faudrait que je regarde l'espace que ça prenne. Parce que si c'est conséquent, l'espace... Le cobalt, j'en ai pas tant que ça. Mais si j'ai mis une armoire 2, c'est qu'il y avait une raison. Aluminium. Hop. Ça avance. Ouais, bah oui. Ça meurt aussi. J'essaie de courir un fond, mais. On va récupérer. Ouais, voilà, j'avais pas fait long. Long en chemin, non. Pas vraiment. Hop. C'est parti. Hop, taillot, hop, à côté. J'ai ma jauge. Cobalt. Oh, ça m'a tout mélangé, c'est super cool. Titane fer, hein. Le fer, le fer, le fer. On va remettre tout le fer là. Magnésium, aluminium. De la glace. Autant avoir le stock de glace de ce côté-là. De toute façon, dès que je vais récolter, je vais pas avoir le choix d'en récupérer. Hein. Ah ouais, on voit de plus en plus, je crois que c'est l'avant du vaisseau ou un autre vaisseau. Hein. Mais je pense que ça va être plus par là que je vais aller. Parce que là, ouais, je fais traîner un peu les choses, j'ai l'impression. Donc, j'en sais pas trop. Les deux, je vais les dégager. Voilà, toi, je peux te détruire. Comme ça, ça fait qu'un effet tunnel. Le tissu, je peux le récupérer. J'ai fait une armoire pour. Je pense qu'au niveau des plantes, dès que je vais mettre mes trucs de récolte en haut, sur cette base-là, météorite. Oh là, faut que je me vide et puis ben, je vais leur courir après. Si je peux choper de la vie, je vais pas faire. Chute des météorites sont aléatoires. Moi qui pensais me retrouver avec un île là-haut, mais non, pas du tout. On va refaire un stock d'oxygène et on va repartir là-bas. Parce que je crois qu'il y a eu des choses qui sont tombées dedans. Ouais, ok, le stock d'oxygène est un grand mot. Et là. Ok.
ça nous place. Du fer à balle, ça va ça me plaît. Ouais. Cobalt. Cobalt, magnésium, magnésium. Bah, le cobalt, il y a ce qu'il faut, hein, dans le fond. Du fer, j'en aurais besoin. C'est pas que je commence à être en manque, mais c'est quand même un peu le cas. Ah bah je suis passé à côté d'un fer. Il me faut du fer, monsieur. Là il y a du fer encore. Ah bah plein, allez hop. On va juste refaire un petit stock d'oxygène. Ça, on va pouvoir faire la visée en haut. Ça c'est un bon point. On a dû faire aussi, on va le récupérer après pour faire l'étage. On a du titane, ça va nous servir aussi. Cobalt pareil, magnésium on en est à plein. Silicium. Voilà. Pour faire l'étage, vu que j'ai une pluie de météorites, cobalt et fer. Un cobalt. Hop. Du fer, il m'en faut 2, 3. Et un titane. Comme ça. On va créer l'accès en haut, on va le mettre là, ouais. Ouais, je le verrai bien là, mon escalier. Vue sur la capsule. Bon, de toute façon, j'ai plus rien qui traîne sur moi. Il pleut sa mère. Oui, tout à fait. J'ai appris ça. Ouais, c'est ton fameux jeu là contre l'écologie, vu que tu fais monter, tu recrées une atmosphère pour la planète, hein. Pas le choix d'aller puiser dans les ressources. J'avais des coffres que j'avais vus que je vais aller récupérer. Parce que là, c'est plus cette affaire. Mais j'ai plus trop de fer. Je vais préparer quand même un avant-poste pour là-bas. Ça pourrait être cool. On va commencer par là. Un titane, deux titanes.
Silicium, silicium, de toute façon on se rendra par là vu que c'est une zone vierge de toute conquête. Hop. Et un coffre. On a quoi dans le coffre? Oh là, il y a la blinde lui. Bon bah. Mais c'est qu'il y a un deuxième coffre. Ce que je vais faire, je vais le mettre là. Sur une zone un peu plane. Une porte. Et est-ce que j'ai de quoi faire au moins un gros, une grosse armoire? Non. Bonjour, il me faut du fer, hein, s'il vous plaît. Parce qu'à la base, c'était de l'exploration que je vais faire. Oh ouais, mais il y a du fer là. C'est bon ça. C'est un peu ce que je suis venu chercher. Non, j'ai oublié de démanteler le coffre. Je suis en train de capter ce détail. Allez, plateforme de lancement, j'ai... Ouais. Alors clairement, c'est pas ce que je cours après pour l'instant. Là, à l'heure actuelle, ça va être plutôt arriver à avancer sur la base. J'avoue, j'avance comme une tortue. Je me suis tenu un peu plus rapide dans les jeux. Je prends mon temps, je le savoure. Attends. Tout ça, on peut stacker là. Et puis, bête taillot. On va explorer la zone. Tout le fer que je peux récupérer, je vais récupérer. Ça, c'est une certitude. Voilà, montagne de fer. Moi ça me va. Hein. Alors par contre, je sais pas où je me dirige. Oh, on a mis l'aluminium. Ça, ça me plaît. Un coffre encore. Pourquoi pas. Je suis à côté du vaisseau. Uranium, titanium, ouais. Vu qu'on est pas loin du vaisseau, on va vite fait. Le ciel est bleu. Vite fait aller déposer tout ça. Si, il va falloir que je recrée un autre coffre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme ça, on va en créer deux autres, ça sera pas perdu. De toute façon, autant la laisser présente, ça fait une zone de stockage. On va reprendre là où on en était, parce que je me suis légèrement perdu dans mon parcours. Ok, j'ai atterri là. Si je vais par là, on a dépassé le vaisseau. Oui, au fait, ça y est, t'es réveillé de ta sieste, petit sabre. Il était temps. Encore un autre coffre. Ça va, c'est des petits. Et là, on est où? On est à dos du vaisseau. Ok. Je suis en train de me dire, j'ai même pas pris le nécessaire pour. Faut pas que je meure de soif.
Donc là, dans ce dédale, déjà, je vais m'y faire. Encore un coffre. Si je prends par là. Il y a du fer partout. C'est bon ça. On va essayer de retrouver la zone. C'était là, ok. On va faire un petit. Plein. On va aller vider ça dans la tasse là-bas. Quoique, il y a de l'eau, il y a de la nourriture, j'ai tout ce qu'il faut. En fait. Hop. Au final, on va prendre ça. Ah bah nous on va être reparti là. On va serrer sur le côté. On voit ce que ça donne. Ah bah de l'aluminium, je suis passé à côté. Tellement concentré sur le fer, l'effet tunnel. Mais c'est trop bien ce secteur là. C'est bon, je vais plus être en pénurie d'aluminium là. Si j'arrive. Wouah, mais c'est trop bien. Du fer, de la lune. Alors voilà ce que j'ai fait, je pense que c'est une boulette. À vouloir me précipiter. Ok, il y a un autre chemin et là on a une carcasse. On va aller voir ce chemin là, de toute façon. La mission reste inchangée. Récupération de fer et d'aluminium. Qu'est-ce qu'on a par là? Côté, ok. Les gros rochers sont à côté de la base, on les voit. Donc est-ce que ça n'a pas un lien avec juste à côté? Moi je pense. Hein. Trop du fer, mais est-ce qu'il faut en faire dans ce jeu là en fait? Enfin, j'épuise cette zone là en fer, mais. Ok, je suis de retour vers la base, ça m'arrange. On va progresser encore un peu plus loin. Ouais, l'avertissement tout juste. Oh là là, je vais me mettre bien, je vais me mettre bien. C'est bon ça. C'est bien, c'est bien. Alors, faut longer comme ça. Par là, peut-être. Ouais, si, c'est ça. Je reconnais le chemin. On se balade. Il y a des côtes glacées de ce côté-là. C'est quoi ça? Oh, du super liège. Voilà, c'est ce qui me manquait. Magnifique. Limite, si je...
Bah attends, ça mène vers là où je devais aller. Ouh, c'est risqué ça. Pourquoi pas. De toute façon, normalement, je vais garder la bouteille d'oxygène sur moi. Est-ce que si je fais le tour par là. Putain, j'ai tellement peur de mourir là. C'est serré. Bah, ce tour là il valait pas vraiment le coup. Alors sans mentir, je serre les dents hein. Parce que là à plusieurs reprises, le super alliage, j'arrive enfin à trouver. Il reste un autre vaisseau. Là, il n'y a rien. Là, il y a encore du super alliage. Ah, moi ça me va. Wow. On va passer de l'autre côté, hein. Je pense que ce sera moins ardu. Pas le choix. Le stress qui monte. Oh bah ne tombe pas. Puis moi qui me sens plus là à sauter. À la grotte, ouais. Le vaisseau, il est là. Ok. Je me sens tel un lapin à sauter partout. Ouais, j'ai bientôt plus d'oxygène, mais ouais, tout à fait. Normalement, je retourne vers ma base là. Ouais, je sais, j'ai un manque d'oxygène qui arrive. Bon bah, Kawabuga. Hein. Oh! Ça tombe bien. Oui, donc on reçoit des dégâts de chute. Ok, donc je viens de comprendre cette mécanique là. Bon, bah je crois que je vais pouvoir faire des retours vaisseau. Hein. Là, on a le stock. C'est bon ça. Alors. Oh ouais, là je me suis mis bien. Je vais pouvoir avancer dans pas mal de choses. Il y a un coffre là-bas. Hop. Là, je vais pouvoir avancer un peu la base en même temps. Au moins anticiper l'étage. Je vais aller chercher le coffre après. Là, déjà, on va aller déposer tout ce qu'on a. L'étage, je compte mettre tout ce qui est fabrication. Ferme. Hop, voilà. Et je crois même pas que j'ai fait un fer 2. Super alliage. Enfin, je dis que ça fait beaucoup pour le moment, mais en même temps, si j'ai un fer 2, c'est bon. J'en suis qu'au début, hein. Coffre là-bas, c'est quoi? Ça me parle pas. C'est comme le fabuleux coffre jaune aussi, là, faut que j'aille voir. Ouais, donc la structure là, on les a vus par là-bas.
Oh bah d'accord, c'était un coffre classique. Et jaune était par là. C'est ça. Un coffre d'or. Multiplie oxygène. Doré. Barre d'uranium, barre d'uranium, super, alliage, ok. Et bah. Let's go, on va retourner pour déposer tout ça quand même. Parce que ça a pas l'air, mais ça du progrès. Ça progresse, ça progresse. Hop, on est safe. Ah oh ouais. Là, je commence à être bien au niveau alu, même super alliage au final. Enfin, pour combien de temps? Parce que qui dit découverte comme ça, là va vite. Dit qu'après c'est débordé. Ce que je vais faire, c'est tant que j'y pense. Hop. On va aussi prendre du titane. Ça, c'est les coffres de... Vas-y, je fais ça, là va vite. Je trie après. Hop. Chauffage T3. C'est bon ça. C'est pas pour dire, mais depuis un moment je suis pas vraiment à fond dedans. Hop. Là on va mettre ça, ça, ça. La nourriture. L'uranium, je peux la déposer. Les barres, comment les placer? Bon, dès que ça s'ouvre, on arrive. Ouais, je crois que j'ai fait une. Assez de titane et de fer. Ok. J'en suis à où dans mon inventaire? Silicium. Hop. Le fer, on va le déposer. Et on va aller chercher tout ça. Il y a quand même régulièrement des tempêtes, hein. C'est pas pour dire. Ah bon, je meurs? De quoi? Ah, de soif. Et comme des gravats. De toute façon, à l'étage, faut que je mette mes végétubes. Mon coffre est là-bas. D'accord. Ah mais y'a pas de dégâts. Hein. Hop. Alors rien de plus dedans. Hein. Alors, on avait dit à la base que c'était le rapatriement de tout ça que je faisais. Je vais
me suis perdu encore dans une idée simple, moi. Comme d'habitude. Oh! Il pleut! Il pleut, bergère, entre tes mains, mouton! Je vais peut-être faire un autre espace pour de la lutte. Ça pourrait être cool. Pour l'instant, hop, ça s'en est là. Ça quoi, mange qu'on fait. À du 2. Hop, espace 2. Faire 3 comme ça. On sait qu'on pourra continuer la construction. Un titan 2 aussi. Silicium. Ah ouais, donc attends, je suis parti 2 de là-bas et 2 de là-bas. Bah ouais, bah écoute, allez bas. Titan 2. Hop. Pas Titanic hein. Alors hop, on est parti sous la pluie. On dirait des toiles d'araignée. Avertissement, ouais c'est cool. Eh hey, tu vois, même dans le jeu il pleut sa mère. Bizarrement, ton commentaire il arrive avant l'heure. Hop, tac 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 tac, voilà. Donc, bah là, on va devoir améliorer quand même là-haut. Est-ce que je reprendrai pas un large? Ouais, non. Je vais reprendre. Je cogite en même temps. Hein. Des petits stalles d'aluminium, on va déposer. Putain, ouais, j'ai vraiment fait le plein d'alu. C'est affolant. Super alliage d'aluminium, j'en ai un. D'iridium 2, voilà. Silicium, aluminium, magnésium, il est où le magnésium? Magnésium. Les deux qui comblent. Partir là-haut. Yeah.
trouver quand même le nord du sud là-dedans. Faut du fer. J'ai pas tant de fer que ça, moi. Je me croyais plus riche que ça en fer, en fait. Du titane. Du cobalt. Et puis, on est reparti. Ah oui, il y a ceux-là aussi que je voulais faire avant. J'aurais pas le temps de mettre la dernière. Bonjour, mon coffre, il est là. Mais ça aurait pas suffi en cobalt. Avertissement de voiture, ouais, c'est cool. Alors, là on voit le jour. Ce que je compte faire, c'était réélargir de 1 parce que je vais mettre tout ce qui est végétube. Il va falloir que je fasse pareil, donc là, 1, 2, 1, 2, non, 1, 2, 3, de ce côté-là. Bon, bah, go aller rechercher du fer. C'est quand même chaud, hein. Mais c'est fer au bord. Je sais pas si c'est français. Pam, 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 c'est ici. On va peut-être faire ça parce que ça peut être bien d'avoir les infos. Silicium, on va en prendre plusieurs. Parce que là, je suis sans infos, c'est pas cool du tout. Tableau de progression, tiens, hop. Voilà, comme ça. Silicium, silicium, magnésium, magnésium, silicium. Ok, donc il faut du magnésium, il en faut 3. Et silicium, il en faut un peu plus. Alors. Réception des lettres, on va le mettre de ce côté là. Et il n'y a pas d'autre écran, c'est bon. Je suis en train de me dire, faut peut-être que j'aille démonter là-bas. Et j'ai un peu tout laissé en plan, hein. J'aime courir partout. Ouais, avertissement, c'est cool. Ça, ça, ça aussi. Ça, faudrait que je les déplace aussi, au fur et à mesure. Chasser mes végétules. La nourriture, il faut que je la déplace aussi. C'est vachement bien équilibré, hein, c'est pas pour dire. Donc là, un cobalt, je pourrais mettre là. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais, je ferais bien, ouais, une plateforme comme ça.
Laisser une porte extérieure aussi. Avertissement de niveau de nourriture, ouais. Écoute, hein. Je fais ça, mais j'ai pas d'eau sous la main, donc c'est encore plus intelligent. Nourriture. Urge. Hop. Et je suis en train de me dire, attends, j'avais ce qu'il fallait. Oh non, il manque du cobalt. Voilà. Je vais pouvoir mettre mes points. Coupe donc la lumière, ça ne sert à rien. Ah non, bah non, bah y a... bon après je ferai l'installation. Je viens d'y repenser. Peut-être là dans ce carré là. Voilà. Alu. Écoute, je vais chercher 3 aluminium. Mes alus sont là. Peut-être faire mes bottes hein, avec tout ce que j'ai. Je suis en train d'y penser. Ouais, tu prends de la place toi. Nucléaire, donc il faut 2 bouteilles d'eau, des barres d'uranium, produit de la nourriture. Bouteille d'eau, fer, ouais bah faut aller chercher du fer. Hein. J'aimerais bien vivre en autarcie, mais là. Là ça colle pas de trop hein. Je vais aller faire mon dernier tour là-bas. Parce qu'arrive un moment où on commence à plus trop avoir le choix. Il n'y a pas de pluie de météorite qui est arrivée. Parce qu'on en a eu 2 en un rien de temps. Quand même. Et après on va faire les bottes. Hein.
Ah bah oui, il me restait un peu de fer là. Voilà. Il suffisait de demander. Hop, on va récupérer le fer qu'on arrive à retrouver. Hein. Ce qui arrive à un moment, c'est pas que c'est raide, mais c'est un peu le cas. Hein. Le fer, ça fait tourner la planète. Hein. Je crois qu'il y a eu un bug. Ou soit c'est que ça allait vite. Hop, on va continuer à tout récupérer. Si j'arrive à revenir avec une cargaison de fer en plein, ça serait cool. J'ai de la marge au niveau oxygène. C'est vrai que ce secteur-là, je me suis pas engagé. Hein. Parce que là, je vais avoir encore besoin de fer. Mes calculs sont pas bons. Voilà. Non, c'est du silicium. Ça fait une ambiance toute bizarre là-dedans. La boîte de nuit, vous êtes là? Ils ont fait une ambiance sombre. Tu continues à avancer vers la mort. Sac plein. Bah écoute, tant mieux. Parce que là, je peux peut-être essayer de finir ça. Au moins mon étage, pour que ça ressemble à quelque chose. Parce que là, je mettrais bien l'antenne. Faire une angle et sortie, un peu comme là, et antenne. Hop, comme ça, on pourrait y accéder. Tac, tac, tac. On va déjà ranger tout ce qui est minéraux. Toc toc toc, deux alus de trouver, magnésium, fer, titane, 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 on n'a pas cobalt, on a uranium, 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 là, voilà, silicium, ici, et un manque d'eau, tout à fait. On va essayer de... En manque d'eau, il pleut, ne vous inquiétez pas. Il fera toujours aussi beau sur votre planète. Non, bah on va essayer de mourir, pas bêtement, mais intelligemment. En prenant les ressources qu'il nous faut. Parce que les végétubes, ouais, je vais... Je les pose aussi là, pour avoir les fruits et légumes. Je ferai bien les coffres en haut pour les fruits et légumes aussi. Pour l'eau c'est pareil, je ferai bien quelque chose, mais... Voilà, l'hydrométrie, bonjour. Est-ce que je suis à côté de la capsule? Je sais même plus où elle est. Elle est là. Pas trop juste. Pour moi, je retrouverai mon corps facilement. Ah, mais j'avais ça encore dedans. Est-ce que ça, c'est démontable? Hop, allez, vas-y, on avance. Faire. En fait, waouh, une planète de lave. C'est Mustapha. En fait, il y avait du fer partout, c'est moi qui sais pas regarder. Oh la vache. Là, je crois que la prochaine partie, après là, je finis mes petites constructions rapidos. On va stopper le live après, hein. À la base c'était oui, je vais là et après on se va. Ouais. Mon problème, je ne sais pas m'arrêter.
Bon, c'est bon, on continue. Ouais. Bah, là, je vais avoir fait le tour du fer. Hein. De toute façon, vu que le jeu, voilà, ce que j'allais dire, nous en veut toujours, il arrive toujours à nous en mettre sous la main. Et bah, c'est plein. Je ferai pas mieux. Youpi. Alors, on va ranger ce qu'on peut. Qu'est-ce que là? Limite, je vais pouvoir mettre un escalier de ce côté-là. Je suis en train de penser. Oh ouais, là je me mets bien au niveau du fer avec un sac à dos comme ça en fait. Hop, cobalt. Il me reste deux coffres aussi à faire. Mes bottes. Il faut deux tissus de titane. Là, ce tissu. Super alliage. Il m'en faut deux, je crois. Ensuite. Ah bah. Ça, c'est bon. On fera pas mieux. Sac à dos, c'est pas là. Est-ce qu'on a débloqué un autre sac à dos? Ouais, jetpack. Jetpack T1. T4? Oh, bah ouais. Oh, le sac à dos aussi. 6, un titane, un cobalt. Bon, bah alors là, j'adore ce jeu. Je vais arrêter. Non, on va continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Titane et cobalt. Un titane. Voilà. Et je veux débloquer le jetpack aussi, moi. Je veux m'envoler. Donc hop, déjà on change de sac, on change de réserve. Ah ouais, on peut fabriquer le super liège. C'est cool ça. Un cobalt, un fer, un magnésium, un silicium, un titane, un alu. Ok, ça se fabrique comme ça. Deux moteurs de fusée et un titane. Deux barres d'uranium, donc 9. Deux uranium pur, donc 9 plus 2 uranium. Alors uranium 2. Je sais plus si c'est 2 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va quand même prendre le titane maintenant. Vas-y, mais c'est trop bien, je veux mon jackpack, moi. Sérieux? Ouais, donc c'était 2 uranium et 1 super alliage. Donc il me faut 2 autres uranium. 1, 2. Et super alliage, il m'en faut 2. Et j'ai déjà écoulé mon super alliage, c'est affolant. Moi qui m'étais dit oui, mais si c'est bon là. Ouais. 1 et 2. Attends. Oh, c'est trop cool.
Bref, on s'est équipé, c'est cool. Le fer. Hop, le titane. Du cobalt. Prendre du fer. Hop. On va finir ça. Parce que bon. Je vais pas finir grand chose. J'avais pas fait attention. Alors. Pour avancer, il m'en faut. Voilà. 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 Ok. Tac, tac. À l'extérieur, mais je n'ai pas pris le silicium pour sortir. Juste un silicium. Et moi, ce petit âne. Petit âne. Hop, un titan. À croire que j'étais bon dans mes calculs, entre guillemets. Mais vraiment, entre les guillemets. Hein. Donc une porte de ce côté là. Voilà. Une autre de ce côté là. Et voilà. C'était vite. Hein. Il me faut du cobalt et du fer. Hein. Ça me coûte cher. Hein. Une belle base comme ça. Hein. J'ai même pas fait encore l'usine à biomasse. Hein. Enfin, l'usine à biomasse, le machin là, que j'ai récupéré. La biodiversité, une serre. Je comptais refaire une salle en fait au-dessus pour ça. Parce que là je vois un panorama à travers mes légumes et mes fruits. Hein. Niveau nouveau tabac, ouais c'est cool. Fallait aussi la nourriture, il me faut de l'alu, du fer et de l'eau. Et je crois que le fer, bah, ça va être la dèche. Comment ça va? Voilà, manque de bol, t'arrives vers la fin du live. Je finis
mes dernières constructions, je lance des récoltes et puis bah, je vais me déconnecter. Ça fait déjà un petit moment que je suis en live. Normalement, je suis bon au fer. Oh, gain de temps, c'est trop bien. Pour de l'eau. Glace. Ah bah oui, tant qu'à faire, j'en ai pas assez. Sinon, c'est pas amusant. Pour une fois que j'ai dit qu'on chargeait la glace, faut vraiment que je fasse mes stocks avant que la température rehausse plus plus. De toute façon après je vais devoir faire demain sur le prochain live un bon stock de fer. Même si l'ancienne base elle va être à déconstruire, il y a quand même du boulot. Arrivé. Hop, ça c'est cool. Alors, hop, on va en consommer une quand même. Donc tout ce qui est végétube et nourriture, je voulais les faire là. Alors, hop, oh bah ouais, quel manque de puissance. J'en étais sûr. Nucléaire. Et pour ce faire, il faut quoi pour le réacteur nucléaire? 3 super alliages, 2 bouteilles d'eau et une barre d'aluminium. Ok. Qu'est-ce qu'on a en stock? On a plus d'eau. Uranium. Attendez, j'avais des barres. Une barre d'uranium. Et 3 super alliages. Ouais, faut que je me calme sur le super alliage. J'en ai déjà plus. Hein. Faut que je prenne nos coups de main pour le jetpack. Hein. C'est super. Oh, le gain de temps. Comme ça, si ça fait un gros boom, ouais. Toute cette zone là on peut pas. Parce qu'il y a quoi dans cette zone?
qu'ils nous préparent une surprise, les devs. Ça demande, attends. Ça demande autant de puissance que ça, là? C'est pas possible, il n'y a pas des masses énergétiques. Moi ça me va, cette récolte elle était fructueuse. Va falloir que je regarde ce qu'il me faut. Il y a un peu. Ah oui, c'est vrai que je suis mort là. Hop. On va replacer ce qu'on peut replacer. Déjà pour commencer. Voilà. Cobalt, on en a un. Aluminium, j'en ai un. Deux, même. Ça c'est bon signe. Magnésium, j'en ai un. Deux, hop. On va mettre le là pour le moment. Titane, titane, titane là. Oh, le titane ça commence à être la crise aussi. Hein. Et silicium là. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour des panneaux solaires T2? Il en fallait des choses. Un alu, alors. Un fer, un magnésium, un silicium. Donc on va en faire 3. On va même 4. Hop, comme ça sera plus simple à compter. Alors après, c'est de ce côté-là. Aluminium, il en faut 1. Magnésium, j'ai vu qu'il en fallait 1. Du fer, il en faut un. Et cobalt. Et bah, cobalt, il faut que j'en récupère aucun. Mais il va falloir que je me réveille en récupérer. On en est rendu à là. Alors. Les fabuleux panneaux solaires. C'est reparti. Les graines. C'est comme va falloir que je lance aussi les végétubes. Mais là, va falloir que je découvre l'uranium. Va falloir que. Il y a beaucoup de progrès là. A voir. Ces deux-là, on va les rajouter à la collection. Chauffage, on pourra les faire sauter dès qu'on passera du T3. Mais là...
Alors. Les végétubes. Pouvoir manger à notre faim et à notre enfin surtout à notre faim comme là. Hop, il me reste encore des végétubes en rab, j'en ai trop mis, c'est pas grave, ça viendra. Bah voilà, on a dit qu'on s'arrêtait à là parce que sinon on s'en sort pas. Nuage, pluie, on est sur la phase nuage, on va vers la pluie, d'accord. Et puis on a résolu un problème d'électricité. On se quitte avec cette très belle vue. Peut-être couper la lumière. Waouh. Ça avance bien. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis bah, ceux qui seront présents ce soir pour le prochain live, bah ce soir à 22h pour farming. Salut.